Lui, c'est des 10 maintenant qu'il va déposer sa candidature aujourd'hui. J'ai toujours dit que c'était un événement. Mais quand il va déposer la candidature, c'est pour mourir, comment faire rire le vache. Vous allez devenir président de la République quand vous n'aurez pas la majorité. Et vous dites que quand je serai élu, je vais tout faire pour dissoudre l'Assemblée nationale. Donc tous ces gens-là qui seront élus vont applaudir Martin Fayulu parce qu'il est Dieu le Père, parce qu'il est président dans sa propre tête. Même sa femme ne le croit pas. Je ne vois pas la madame de Moïse de Fayulu. Bon, de toute façon, il n'est pas congolais, ça c'est notre débat. Comment il va aller déposer la candidature de deux, il n'a jamais été enrôlé. Mais comment expliquer que M. Katou et comme Fayulu peut aller maintenant déposer sa candidature aussi longtemps qu'il n'a aucun candidat député national, même provincial, il n'a pas pu faire. Monsieur Ndombassi dit ceci, je vais terminer par là. Monsieur Ndombassi dit, Martin Fayulu, c'est un homme imprévisible. Sur le plan politique, c'est une insulte. Ça veut dire que quelqu'un peut se réveiller aujourd'hui et dire, bon voilà, Tomidia Singana Kingo, Tomidia Mbeka. Donc il peut se dire aujourd'hui, bon voilà, nous allons déposer la candidature. Alors que monsieur Ndombassi, l'un de ses lieutenants, comme Serge Wello, qui ont dit, non, nous trouvons dans ces messieurs quelque chose qui ne va pas. Est-ce que nous ne pouvons pas demander au chef de l'État de le prendre à mano militari, aller le faire traiter? Mais malheureusement, les gens veulent le pouvoir simplement pour l'avoir, parce que c'est un moyen facile. Il peut s'acheter une costume, il peut s'acheter une voiture et construire une maison. Ce n'est pas ça. Nous nous sommes battus il y a longtemps. Les autres nous ont tendu même demain. Nous n'avons pas voulu aller avec. Pourquoi? Parce que nous, on ne veut pas le pouvoir pour le pouvoir. On veut le pouvoir pour rencontrer les préoccupations du souverain primaire. Donc nous voulons apporter. Nous avons déjà des plans, des structures, nous les avons mis à la place et tout. Que les autres sortent. Vous avez votre offre politique. Vous mettez cette offre politique sur la place publique et la population, le peuple se dit, bon voilà, qu'est-ce que j'ai choisi? C'est celui-ci. Naturellement, on choisit les mieux offrants. C'est celui qui offre les biens qui attire la convoitise des autres. Vous ne présentez rien à la fin du monde. Vous présentez des projets fallacieux, cousus, tu sais, de toutes sortes. Et puis vous parlez à la télévision et vous commencez à faire... Vous pensez que c'est les tremplins des combats, des bagarres, au micro, des injures. Non, nous, on n'a pas besoin que les gens puissent avoir des maladies cérébrales pour rien. Nous voulons que le peuple et les politiques soient sereins. D'accord. Qui sortent les meilleurs d'eux. Mm-hmm. Comme nous le faisons à chaque instant, nous sortons les meilleurs de nous-mêmes. C'est le nouvel élan. Un candidat président de la République doit avoir au moins un diplôme d'études supérieures pour nous éviter et j'ai fait les meetings dans un grand géant pour nous éviter ça. Deuxièmement, on demande des pièces originales. Tout le monde le sait. Comment M. Katumbi, pour dire non, pour déposer les candidatures, vous devez avoir les documents officiels. La loi électorale le stipule bien. J'ai un article, je vais vous le lire après, de la loi électorale. Comment expliquer que le monsieur, il amène les gens pour déposer sa candidature avec des photocopies. Donc ce monsieur, il est dans ses archives en train de chercher les originaux en ce moment. Mais pourquoi Franck Diomungo est passé par là? On ne lui a pas dit qu'il doit amener les originaux, parce qu'il sait qu'il devait amener les originaux. Pourquoi les grands fumeurs peuvent passer par là? On ne lui a pas dit qu'il doit amener les originaux, parce qu'il sait que je dois amener les originaux. Nous devons avoir une différence, donc arrêter nos valeurs. Il faut tout créer dans le monde. Moi, je suis un homme. Donc, mon homme a changé de sexe. Donc, c'est ça qui dit, nous devons faire une transition. Donc, alors que nous sommes des Africains, c'est ça qu'il est en train de demander. Parce que quand il sera élu, il faudrait que dans l'Assemblée nationale, nous devons voter que Papa Chabani n'a pas Papa Ntimba Babalani.
moke pa nani wazali lulululu. Mama mo seka na mama tu baba balani babo tibana. Bon mercredi à vous tous et à vous qui êtes branchés. Heureux d'être de votre ce matin pour ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Martin Fayoulou, dans les heures suivantes, il va déposer sa candidature à la CENI. Hier, c'était le docteur Denis Mukwege pour vous dire que les élections auront bel et bien lieu. On nous apprendra que le chef de l'État, ça sera pour la semaine prochaine ou encore la fin de cette semaine. Il viendra lui-même en croire quelques communicateurs ou encore quelques cadres de l'Union sacrée, il viendra lui-même pour déposer sa candidature. Mais avant toute chose, je voulais vous proposer, je voulais vous montrer plutôt des postes, titres à sa une, candidature au top job, session de rattrapage pour Moïse Katumbi. Vous avez entendu que la CENI a exigé les originaux de diplôme et Moïse Katumbi avait sûrement amené les copies. Eh bien, à la CENI, on exige les originaux. Je pense que prochainement, il va, très bientôt d'ailleurs, hein, il va revenir avec les originaux pour que sa candidature soit reçue d'abord au niveau de la CENI. Lubumbashi rencontre improbable entre Félix Tshisekedi et Kabila. Bon, ça, c'est le journal qui titre. Hein. Est-ce vrai, est-ce faux? On va en savoir plus. Nous parlerons également de l'insécurité qui sévit à la partie Est. On vient de condamner à mort un des soldats qui était à Goma. On parle de ces massacres ou encore ces carnages de Goma le 30 octobre dernier. Eh bien, la justice vient de condamner un officier qui est radié d'ailleurs de l'armée et il est condamné à mort, mais du moins les enquêtes se poursuivent. Sur ce plateau, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le tout premier invité. Il s'agit du docteur Kakonda de l'Union sacrée. Les paris cochés du chef de l'État est déjà avec nous sur ces plateaux, comme j'ai dit il y a peu, qui c'est le tout premier invité. Et nous attendons l'arrivée de M. Sonny Ilunga de Nouvelle-Élan. Il va se joindre à nous tantôt. Et à bâton rompu, nous allons vous parler République. Mais bien avant, il y a des dénonciations à faire. Il y a des réclamations qui nous parviennent de partout. Hier, on avait reçu plus de 5 appels venant du même coin. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, encore le matin, et il y a le message, c'est-à-dire ici à Kinshasa, dans la partie est de, de la capitale. Je vais vous lire le message et puis je vais expliquer un peu après plutôt. Kinshasa Yasuka, entrée principale, il y a Siforko, Tina direction Kulumba. Du côté droit, côté aéroport, Avenue Mabele. Hein, Avenue Mabele, je crois. Mabele. Mabele ou bon Avenue Mabele. Soldat moko azoko te la batuna bandaku. Donc, babo sungabiso na express et zali passe. Alors, comme j'ai dit il y a peu, on avait reçu les appels hier. Il semblerait qu'il y ait un soldat qui vient d'aménager il y a peu dans le même quartier là, na Avenue Mabele, na Suforko, entrée principale à Suforko. Alors, le berzo s'est mis terreur et désolation. Donc, lui-même, les soldats en tenue, azoko te la batuna bandaku pour nous ravager, pour nous piller, s'il faut le dire. La barrière tardive, donc c'est à moitié criminel, s'il s'avérait vrai. Et du coup, nous demandons aux autorités, à la police surtout, de veiller sur ça, de jeter un coup d'œil, vraiment un œil regardant. Surtout que ma référence est à Ali, Balobi Kingasa Niasuka, entrée principale, Siforko, avenue Mabele. Donc, Batouba Bengi et Bele, il y avait lieu d'en parler. Docteur Kakonda, merci d'être là et bon mercredi à vous. Merci, Galorkien, merci pour l'invitation renouvelée. Merci à tous ceux qui nous suivent. J'apprécie beaucoup plus ceux qui ne nous aiment pas, ceux qui sont partout, parce qu'ils nous permettent de nous améliorer. Je tiens à saluer une dame qui vous suit le plus souvent, qui est au Canada, Madame Yvonne Kayoa. Depuis Canada, on vous salue, Madame Kayoa Yvonne. Très bien. Et puis, tous ceux qui nous suivent ici, de Lukunga. Et je réitère aussi l'appel à l'autorité principale, M. Kilimbalimba, parce qu'ici, il y a une dénonciation. Mm-hmm. Il y a un militaire, un télé militaire, qui sème la désolation dans ce quartier Siforko, dans l'avenue qui s'appelle Mabele. Voilà. Pas Mabele, donc Mabele. Alors, il y a des indications précises, M. Kilimbalimba. Nous avons applaudi quand vous êtes arrivés. Mm-hmm. Nous avons pensé qu'il y a un voie nouveau et un nouveau leadership, mais nous pensons que
Vous devez mettre la main. C'est une obligation. Mmh. C'est dans ses attributions que ces messieurs doivent être directement arrêtés, déférés. Et je me pose la question, qu'est-ce que font nos services de renseignement? Mmh. Moi, je les ai toujours aimés depuis l'avènement de Félix Antoine. Mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mmh. Comment les services de sécurité et de renseignement ne peuvent pas anticiper, donner les informations par rapport à ces messieurs mmh. qui a une arme, mmh. qui sème la désolation, qui entre dans des maisons des paisibles citoyens, mmh. et que le chef de la sécurité de la capitale ne fait rien, mmh. on ne lui donne pas des informations. Monsieur Kilimba Limba, je vous interpelle personnellement, essayez de vous impliquer, parce qu'il y a une adresse ici. Mmh. Je vais rappeler l'adresse. Mmh. Nous parlons ici de Kengasa Nyasuka, voilà. Entrée principale de Siferco, mmh. et sur l'avenue Kulumba. À la main droite, il y a une avenue qui s'appelle Mabélé. Mm-hmm. Donc, il y a un militaire à Zokote, là-bas, Tunanda, Kouabi, à Monikaka, comme mm-hmm. si c'était dans un moulin. Mm-hmm. À Zokote, il sème la terreur et nous ne cesserons pas de dénoncer. Mm-hmm. Et si dans une semaine, rien ne fait, nous nous rappellerons encore M. Kilimbali. Nazam ou le Béléaba militaire, Nazam ou le Béléaba soda. Alors, si quelque chose ne marche pas, je dénonce. Parce que nous, nous voulons que solde de Nabango, traitement de Nabango, à la consomme, n'est pas qu'on s'abonne à l'obaki. Très bien. Alors, parlons maintenant de l'actualité. Avant d'évoquer la question en rapport avec l'insécurité, je souhaite très tôt, maintenant, il y a l'élection, que commence plutôt par les élections. J'ai oublié, par le fait que je viens de lire un message à Lingala, et j'ai cru qu'il fallait continuer comme ça, désolé. Alors, on va parler élection. Martin Fayoulou va déposer sa candidature aujourd'hui. Hier, c'était Denis Mukwege. Bien avant, il y a eu d'autres candidats. Qui est probable, bien sûr, qui ont eu le temps d'aller déposer au niveau de la CENI. Pour le cas Katumbi, on exige les originaux de diplôme. Ça craint, hein. Certaines langues disent déjà qu'une manière de repousser ou de remettre en cause la candidature de ces derniers. Mais du moins, vous allez mettre votre point de vue. Bref, Fayoul va déposer aujourd'hui une candidature qui fait peur à Félix Tshisekedi, à en croire certains. Excuse-moi, mais vous utilisez des termes forts qui font peur. Et c'est grave ce que vous venez de dire. Il fait peur à qui? Et pourquoi ça doit être un événement? À votre famille politique, à votre camp. Pourquoi ça doit être un événement? C'est pour la toute première fois que nous voyons dans ces pays quelqu'un qui est sorti deuxième après les élections présidentielles, qui est incapable de réunir même 200 personnes à ses sorties. Il n'y a pas très longtemps, vous avez vu M. Fayoulou sur la route qui va jusqu'à l'IPEN là-bas. C'était à. Comment ça s'appelle? Après Bandal. Sur cette route-là. Vers où? Selembao. Okay. Sur la route de Selembao, il est sorti, il a essayé d'attirer les gens. Personne n'est venu, personne n'a couru même pour le saluer. Comment voulez-vous que quelqu'un. C'est pour la toute première fois qu'un homme qui est sorti deuxième après les élections, qui est incapable, et puis il habite dans la capitale, il est incapable d'amasser ni de rassembler la population. Vous avez oublié, lors de sa dernière sortie médiatique, Martin Fayoulou était clair, il a dit clairement qu'il est plus populaire que tous les candidats qui sont présentés déjà, ou encore tous les politiques qui sont ici à Kinshasa. Nous allons analyser à froid cette question. Ça, ce sont des choses qui sortent dans sa tête. Excusez-moi, j'avais fait une... nous faisons la pédiatrie politique et la chirurgie politique. Je pense qu'à un certain moment, j'avais fait un diagnostic sur notre frère qui a été pris en charge par le chef de l'État. Nous avons parlé ici des Mwami de Bunduja Congo, que j'avais demandé au chef de l'État qu'il devait le prendre en charge parce que j'ai compris que le monsieur avait un souci dans la tête, mais qui devait être pris en charge. Il a été pris en charge. Nous parlons ici de notre ami qui est le chef, le géniteur de Bunduja Congo. Ici, Némonantemi, vous voulez dire. Oui, parce que vous l'avez cité. Mais ici, nous avons un problème avec quelqu'un qui a un souci, je peux dire qu'un souci grave dans sa tête. Nous faisons le même diagnostic, nous demandons aux autorités de s'occuper de ces messieurs. Imaginez, je reviens d'abord à ce qui s'était passé en 2018. Nous avions ici Jean-Pierre Bemba Ngombo qui venait de sortir de la prison, qui devait présenter sa candidature. Nous avions ici M. Moïse Katumbi, qui est l'un des géniteurs des gens de soutien de M. Martin Fayoulou. Nous avions eu Mbou Sinyamou ici, nous avions eu Adolphe Mouzito, qui jusque-là ne s'est jamais rétracté pour dire que de nous tous, l'homme qui était le plus modeste et le plus honnête, c'était Félix-Antoine Tshisekedi. Mais tous ces gens, par rapport
à 2018, ils se sont rassemblés pour sortir une personne. Parce que Moïse Katumbi, il était à l'exil. Deuxièmement, nous avons Jean-Pierre Bemba, que la CENI avait rejeté sa candidature. Les autres n'avaient pas été le seuil. Mais tout le monde a rejeté leur dévolu. Je me rappelle ici de Genève. Jeté leur dévolu sur Martin Fayoulou, que c'est lui qui devait les accompagner. Et ils avaient même des instructions qu'il allait diriger 2 ans. Après 2 ans, ils devaient rendre le mandat. Donc ils allaient changer la constitution. Mais ce qui m'étonne, c'est que quand Martin Fayoulou est en train de parler, il oublie ses formateurs. On dit ça dans les bons français, les fabricants. C'est comme une voiture Mercedes, ou bien de votre charmante, belle voiture là, que je ne vais pas citer le nom pour ne pas tirer la convoitise des autres. La voiture sort de l'usine, la voiture commence à se prévaloir. Non mais moi, je me suis créé. Donc même le pneu que j'ai, donc l'inventeur de Martin Fayoulou, il est en train de dire aujourd'hui, moi jusqu'à tout, il n'est rien. Il est en train de dire aujourd'hui, moi je n'ai rien. Il est en train de dire, Jean-Pierre Bemba n'est rien. C'est ça qu'il est en train de dire, autrement. Donc, c'est-à-dire que les gens qui l'ont créé, les gens qui l'ont fabriqué, ne valent rien devant Martin Fayoulou. Alors, si nous faisons un petit exercice, voyons Jean-Pierre Bemba sortir dans les rues de Kinshasa, et voyons Martin Fayoulou, parce qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps, pour aller sur la route de Selembao, qui est son fief naturel. Est-ce que vous voyez Jean-Pierre Bemba ne pas, comment, traîner la foule? Ou bien, disons, monsieur Mouzout, le grand Fumoupa, il sort peut-être du côté Tchangou, il va marcher à pied jusqu'à... Ça va lui prendre combien de heures par rapport à Martin Fayoulou? Alors, si nous prenons, disons, 3 personnes, ou bien Moïse Katumbi qui est en train aussi... Donc, ce qu'il est en train de dire, l'exploit qu'il est en train de démontrer, c'est entre eux. Parce que jusque-là, Félix n'a pas encore déposé sa candidature. Donc, il peut ne pas déposer la candidature, il peut se détracter. Mais imaginez que le chef de l'État était hier, Félix... Parlons qu'il est candidat. Il est descendu à Kasumbalesa. Il n'y avait pas une sensibilisation, une mobilisation pour que les gens aillent le recevoir. Mais quand vous voyez la foule, quand vous voyez... Il n'a pas fait le meeting. Il a juste essayé d'adresser. Il est le président en fonction. Il a même rappelé à tout le monde que ce n'est pas le moment de faire la campagne. Ici, je suis venu vous voir pour faire la restitution de réalisation. Vous avez vu la foule. Est-ce qu'on peut comparer avec Martin Fayoulou, qui est président dans sa tête, mais en réalité, il n'est pas président? Ça, c'est un problème. On appelle, soit il est bipolaire, je ne dis pas qu'il est. Soit il est bipolaire, soit il a un problème de démence, ou bien la schizophrénie dans la tête. Il se peut que je me trompe. Je ne dis pas qu'il est. Mais j'essaie d'analyser à froid. Mais quand vous voyez Jean-Pierre Bemba descendre, qui vient de dire que voilà, je vais me rétracter pour soutenir notre frère. Comprenez bien les mots. Je suis politicien. Il dit que je vais me déduire pour soutenir notre frère. Il n'a pas dit pour soutenir Félix Antoine. Il dit bien de notre frère. Mais pourquoi Martin Fayoulou, il ne peut pas refaire la chose qui s'était passée en 2018? Les mêmes personnes qu'il avait soutenu, Martin Fayoulou, tu es en train de les insulter maintenant. Moi, je ne peux pas rester à côté des gens qui ont volé l'argent de l'État. Les gens qui ont volé l'argent qui a travaillé avec Kabila, les gens qui avaient travaillé avec Mobutu. Donc, il est en train de se dédire entre tous ces gens-là. Qui sont ces gens? Nous parlons ici de Moïse Katumbi, son créateur. Nous parlons ici de Jean-Pierre Bemba, son créateur, son co-fabricant. Nous avons ici Moussa Nyamwisi, son co-fabricant. Alors, toutes ces personnes qui, aujourd'hui, Martin Fayoulou les jette, il n'a même pas le respect envers M. Mouzoutou, avec qui ils étaient les deux autoritiers de la Mouka. Mais il parle qu'il est la Moukiste. Mais je ne peux pas comprendre. Si dans leur directoire, ils n'étaient que restés à deux, sur le plan juridique, si quelqu'un se retire, c'est-à-dire que le Kouane Koufi. Mais comment Martin Fayoulou peut chercher aujourd'hui à nous imputer des choses, à nous expliquer des choses qui ne marchent pas? Alors, nous pouvons lui dire, s'il dit qu'il a une certaine popularité, nous pouvons évaluer sa popularité ici à Kinshasa, nous pouvons évaluer sa popularité à l'intérieur de la République. Comment il est difficile pour lui de faire le plein ici à Kinshasa? Je vois très mal que Martin Fayoulou peut gagner les élections. Deuxième problème, Martin Fayoulou va déposer sa candidature. Je vous ai dit que ce n'est pas un événement. C'est vraiment un non-événement. Mais quelqu'un qui a fait des déclarations
qui a demandé à ce que, qu'il y ait, qu'il y ait des choses. Il a demandé à la CENI qu'il y ait l'audit. Il a demandé à la CENI qu'on puisse changer M. Kadima. Il a demandé à la Cour constitutionnelle qu'on puisse changer Dieudonné Kamouleta, qui a été désigné par ses pairs. Comment ces messieurs peuvent se prévaloir aujourd'hui? Il a évité que les amis, les frères, les camarades de son parti politique puissent aller déposer leur candidature au provincial, au national. Aujourd'hui, il demande, Mordicus, qu'on puisse rouvrir le BTRC, le bureau technique de réception des candidatures. Alors, on se pose la question. Lui, c'est des 10 maintenant qu'il va déposer sa candidature aujourd'hui. J'ai toujours dit que c'était un événement. Mais quand il va déposer la candidature, c'est pour mourir, comment faire rire les vaches. Vous allez devenir président de la République quand vous n'aurez pas la majorité. Et vous dites que quand je serai élu, je vais tout faire pour dissoudre l'Assemblée nationale. Donc tous ces gens-là qui seront élus vont applaudir Martin Fayoulou parce qu'il est Dieu le Père, parce qu'il est président dans sa propre tête. Même sa femme ne le croit pas. Je ne vois pas la madame de Moïse de Fayoulou. Bon, de toute façon, il n'est pas congolais, ça c'est notre débat. Comment il va aller déposer la candidature de, il n'a jamais été enrôlé. La dame de M. Fayoulou n'a pas une carte d'électeur, elle n'est pas congolaise, ça tout le monde le sait. Ça c'est notre débat. Mais comment expliquer que M. Katou et comme Fayoulou peut aller maintenant déposer sa candidature aussi longtemps qu'il n'a aucun candidat député national? Même provincial, il n'a pas pu faire. D'accord. Je plaide pour nos amis Epengé, avec les autres là, qui ont fait un travail énorme, mais qui n'ont pas suivi même l'appel d'Ados Ndombassi, qui est un visionnaire. Il s'est retraité en dernier pour... Qu'est-ce que M. Ados Ndombassi a dit? Qui aujourd'hui soutient la candidature du docteur Denis Mukwege. Nous allons y revenir. M. Ndombassi dit ceci. Je vais terminer par là. Deux secondes. M. Ndombassi dit, Martin Fayoulou, c'est un homme imprévisible. Sur le plan politique, c'est une insulte. Ça veut dire que quelqu'un peut se réveiller aujourd'hui et dire, bon, voilà, Tommy Jessingana Kingo, Tommy Djembeka. Donc, il peut se dire aujourd'hui, bon, voilà, nous allons déposer la candidature. Alors que M. Ndombassi, l'un de ses lieutenants, comme Serge Ouello, qui ont dit, non, nous trouvons dans ces messieurs quelque chose qui ne va pas. Est-ce que nous ne pouvons pas demander au chef de l'État de le prendre à Manu Militari, aller le faire traiter? Je vais vous revenir. Sinon, vous étiez prévenu que nous allons recevoir M. Sony Ilunga. Il est là sur ce plateau. Il est cadre au sein de Nouvel Élan, donc il est de la Mouka. M. Sony, merci d'être là. Bon mercredi à vous. Le samedi dernier, donc le week-end dernier, vous étiez à la CENI pour le compte de votre parti politique avec l'actuel président élu au niveau du Congrès, Adolphe Mouzito, désigné également candidat à la présidentielle de 2023. Il avait déposé sa candidature. Aujourd'hui, c'est Martin Fayoulou qui va à la CENI pour déposer également sa candidature. Mais ça fait couler encre et salive, ça fait jaser. D'aucuns pensent que c'est une candidature qui dérange. Vous avez peur de Martin Fayoulou en part de pouvoir en place plutôt, aussi l'opposition dans tout son ensemble. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la candidature de Martin Fayoulou? Tout d'abord, je tiens à présenter mes excuses pour le retard qui m'a coincé quelque part. Et je m'excuse contre toute bonne volonté. Je devais courir et arriver sur ce plateau. J'ai salué les co-débatteurs, j'ai salué les téléspectateurs qui nous écoutent et puis la caméra qui nous encadre. Merci pour la bonne attention que vous voulez accorder à cette émission de M. Guélor. Merci beaucoup. Ce civisme, nous avons déposé samedi passé notre candidature à l'excellence Premier ministre honoraire, M. Adolphe Mouzito, a déposé sa candidature. D'aucuns n'en doutaient. Actuellement, c'est une réalité. Mais nous devons retenir quelque chose qui retient, que les Congolais doivent retenir. Plutôt, c'est quoi? L'excellence Adolphe Mouzito, candidat aux élections présidentielles de 2023, il sort du commun des mortels avec un panier. Il dit, je présente d'abord 25 politiques pour le changement observable. Et les autres disent pour le changement brutal, mais lui, Mouzito, dit le changement observable. Très nuancé et éclairci, il développe ces politiques qui peuvent, dans un quinquennat, amorcer un chantier du changement. Parce que le Congo, aujourd'hui,
mérite mieux que maintenant. Nous devons aller dans le sens où développons des politiques qui vont engager tout le monde pour que nous puissions le mettre et réveiller le Congo qui a beaucoup somnolé. Donc, samedi, nous étions là, nous avons présenté avec notre panier de gestion de 25 politiques pour les changements observables. Les candidats qui se comparent à Adolphe Mouzito, c'est un sentiment naturel, normal. Mais les Congolais, nous tenons à passer avec M. Guelor à la télévision, à la radio pour dire, nous devons quand même parler le même langage. On ne prend pas le pouvoir pour le pouvoir. On prend le pouvoir pour rencontrer les préoccupations de la population. Connaître le Congo dans ses dimensions, connaître les besoins urgents, et le besoin à moyen terme et à long terme pour que le Congo puisse se hisser sur l'échiquier du concert de nations des autres pays qui se disent aujourd'hui pays développés. Donc, les plans du pouvoir, c'est ce que nous attendons de tous ceux qui veulent se comparer à Adolphe Mouzito. Donc, Mouzito n'aime pas le pouvoir pour le pouvoir, il aime le pouvoir. Il sort ce qu'il pense faire dans une année, une deuxième année, troisième, quatrième, cinquième. Et voilà, une des propositions de la politique de Mouzito, je ne sais pas si le temps le permet, je peux vous décliner, quelque chose qui m'a beaucoup plus frappé, c'est la titrisation. C'est-à-dire, nous devons chercher les moyens qui peuvent renflouer les caisses de l'État. Finalement, les autres ne pense qu'aux institutions traditionnelles de dette et des collectes de recettes locales. Tout à fait normal. L'État vit de cela. Mais il y a aussi un autre modèle qui peut susciter, générer beaucoup plus de moyens, la titrisation. Donc, nous avons le temps d'enseigner et la révision de cette loi foncière-là qui bloquait cette titrisation à être opérationnalisé. Donc, nous sommes là avec le nouvel élan, avec des politiques qui peuvent apporter les changements observables dans moins de temps. Alors, vous parlez de vos projets, si pas votre candidature, mais la question était de savoir aujourd'hui, c'est Martin Feuille qui va faire le même exercice. Est-ce que ça dérange? Est-ce que ça vous fait On a dit les proches de ces derniers. La question a été posée de savoir est-ce qu'il y aura-t-il pas moyen que les opposants se mettent ensemble au point de présenter une seule candidature ou encore un seul candidat. Prince Epengui, au nom de Martin Fayoulou, répond que les candidats de la Mouka, c'est connu, c'est Martin Fayoulou qui va récupérer son deuxième mandat. Si vous voulez, vous allez aux côtés de Martin Fayoulou pour accompagner sa candidature, eh bien les portes sont grandement ouvertes. Est-ce que Mouzito est capable ou prêt d'aller accompagner Fayoulou pour changer les choses peut-être? Non, on a dit que non, nous ne pouvons accompagner personne parce que jusque-là, ceux qui prétendent briguer le mandat de l'État ne sortent pas pourquoi ils cherchent ce pouvoir. Personne ne peut se prévaloir qu'il a le monopole de la population. Tous nous concourons, ces suffrages-là. Martin Fayoulou était clair, hein, il a dit qu'il est plus populaire que vous autres. Il n'est pas populaire par rapport à quoi? Martin Fayoulou, d'aucuns aujourd'hui sans ce qu'il est les plus contrariés des politiciens. Au-delà de la popularité, il a de l'expérience plus que vous tous. Non, il n'a jamais travaillé, malheureusement. Il a travaillé dans le privé, il n'a jamais géré la chose publique. Il était dans le privé. Actuellement, il a les aptitudes à devenir chef de l'État, c'est tout à fait normal. Mais il ne peut pas faire cette cabale de 10 comparée à ceux qui doivent lui apporter un plus. Il faut un peu de la modestie en politique. Ça manque aussi dans la classe politique congolaise. Donc tout le monde peut se prétendre, se prévaloir. Je suis ceci, je ferai là. Non, mais écoutez, il faut ressortir. Il faut sortir ses pensées. Le mettre à la place publique, se faire critiquer. Parce que lorsqu'il y a une idée qu'on lance dans le public, c'est pour que ces gens-là puissent apercevoir les nuances, les contradictions qu'il y a dans cette idée. Mais malheureusement, les gens veulent le pouvoir simplement pour l'avoir, parce que c'est un moyen facile. Il peut s'acheter une costume, il peut s'acheter une voiture et construire une maison. Ce n'est pas ça. Nous nous sommes battus il y a longtemps. Les autres nous ont tendu même des mains
nous n'avons pas voulu aller avec. Pourquoi? Parce que nous, on ne veut pas le pouvoir pour le pouvoir. On veut le pouvoir pour rencontrer les préoccupations du souverain primaire. Donc nous voulons apporter, nous avons déjà des plans, des structures, nous les avons mis à la place et tout, que les autres sortent. Vous avez votre offre politique. Vous mettez cette offre politique sur la place publique et la population, le peuple se dit, bon voilà, qu'est-ce que j'ai choisi? C'est celui-ci. Naturellement, on choisit les mieux offrants. C'est celui qui offre les biens qui attire la convoitise des autres. Vous ne présentez rien à la face du monde. Vous présentez des projets fallacieux, cousus, tu sais, de toutes sortes. Et puis vous parlez à la télévision et vous commencez à faire... Vous pensez que c'est les tremplins des combats, des bagarres au micro, des injures. Non, nous, on n'a pas besoin que des gens puissent avoir des maladies cérébrales pour rien. Nous voulons que le peuple et les politiques soient sereins. D'accord. Qui sortent les meilleurs d'eux. Mm-hmm. Comme nous le faisons à chaque instant, nous sortons les meilleurs de nous-mêmes. C'est le nouvel élan. Qui sera le meilleur pour 2023? Eh bien, c'est cette question qui taraude l'esprit des Congolais, hein, mais du moins. Seuls les Congolais vont juger. Ils vont également choisir qui va diriger. Est-ce qu'il va reconduire l'actuel président de la République, Dr. Kankonda? Vous étiez là, vous avez fait pratiquement 5 ans. Vous exigez un second mandat, ce qui est logique, ce qui n'est pas mal. Lors du dernier congrès, des tout premiers d'ailleurs, de l'Union Sacrée, eh bien, on avait plébiscité l'actuel président de la République comme candidat. Monsieur Sonny Ilunga vient de parler d'offres politiques. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait pendant les 5 ans que vous pensez faire au second mandat? Et qu'est-ce que vous allez proposer, vous, l'Union Sacrée, à la population pour que le Congo aille de l'avant, pour que le Congo change? Merci, je salue le co-débatteur, Sonny Ilunga. Mais je l'apprends que la ponctualité, c'est le respect de l'adulte. La chaîne de télévision, quand on vous invite, faites un effort, même si vous dormez en route, parce que ça fait aussi partie de l'éducation politique. C'est ce que le papa Tshisekedi nous a appris. Moi, je crois que dans l'ensemble, vous apprenez aussi la même chose. Vous avez fait l'exception. Prochainement, soyez ponctuels. Nous revenons aux choses sérieuses. Vous avez parlé ici de votre clan politique. Vous avez parlé de M. Adolphe Mouzitou. Vous l'avez cité plus de 9 fois, si je compte bien. Mais il ne faut pas le dire à lui ici. Vous avez fait son offre politique. Vous vous êtes approprié. Vous les défendez très bien. Il y a des choses que vous devez savoir. N'oublions pas le passé. Ne faisons pas le psittacisme. On ne se répète pas. Vous devez savoir que je ne veux pas l'attaquer parce que je sais qu'il mérite quand même le respect. C'est un Premier ministre honoraire, c'est quelqu'un qui réfléchit très bien par rapport à l'autre là. Je suis l'un de ses conseillers, bien que je suis au pouvoir. Je suis l'un de ses conseillers, comment? Parce que je suis passé à la télévision plusieurs fois pour lui dire, mais je ne peux pas comprendre qu'un grand homme comme Adolphe Mouzitou doit être derrière quelqu'un qui n'a géré que dans les secteurs privés. Vous vous rappelez? Adolphe Mouzitou nous a écoutés. Peut-être que ce sont les conseils, même ces vrais conseillers autour de lui, ne l'ont jamais prodigué. Comment un grand homme comme lui va rester derrière Fayulu? Expliquez-moi. Monsieur Ilunga, dites-moi. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Monsieur Blacha Mungo, c'est vrai qu'il est venu après. Mais je me suis toujours dit, c'est quelqu'un dont je l'estime, qui propose quelque chose. Mais vous le voyez, aller rester dans, inhibé par quelqu'un qui n'a géré qu'une station essence. Et dans le secteur privé, il a échoué lamentablement. À l'exemple de Fadenhaus, où il ne paye même pas les impôts, il ne paye pas même les fonctionnaires. C'est vraiment un désarroi. Et aujourd'hui, Adolphe Mouzitou se rétracte, se réveille. Il dit, bon voilà, je vais faire des propositions pour notre pays. Mais Adolphe Mouzitou a fait quand même... Voilà le genre de politiciens, mais des opposants dont on a besoin. Je vais d'abord poser la question. Quand vous sortez deuxième à l'élection présidentielle, vous avez la capacité d'être leader de l'opposition dans ce pays-là. Ce n'est pas ce qu'on a vu. Qui peut me dire qui est leader de l'opposition aujourd'hui au Congo? Est-ce que c'est Moïse Katumbi, qui n'a jamais été dans l'opposition? Est-ce que Jean Mbemba, qui avait accepté l'inacceptable? Le fabricant de Moïse, de Martin Fayulu aujourd'hui? Ou Martin Fayulu est en train de dire parmi tous ces gens-là, la popularité à Zaté? Vous êtes d'accord avec ça? Mais ce n'est pas possible d'écouter quelqu'un qui vous a embarqué dans un bloc patriotique. Quel est le bilan du bloc patriotique? Vous êtes incapable de vous mettre d'accord.
Mais je suis content que M. Mouzitou se rétracte en dernier pour dire « Ok, je fais l'offre politique. » Mais depuis que la République est République, il y a eu quand même l'argent de l'État qui a été canalisé. Ça, c'est avec Félix-Antoine Tshisekedi. Mais je ne veux pas trop l'attaquer, excuse-moi. Mais il sait bien que la machine avait grippé depuis très longtemps. Le train était déraillé avec la Kabylie, avec les 32 ans de Mobutu. Mais qu'aujourd'hui, il se réveille, il se dit « Bon voilà, j'ai quand même une offre politique à donner. » Après son congrès, lui quand même a fait un congrès. Mais nous ne voyons pas Martin Fayoulou faire un congrès. C'était fait à Kisangani. Hein. C'était fait à Kisangani. Ah ok, dans le cadre de la MUCA, parce que la MUCA n'existe plus. Dans le cadre de l'ECIDE, j'ai dit, son parti politique. Ils étaient deux. D'abord, ils étaient combien? Six, non? Il y avait Moussa Nyamouissi, il y avait Moïse Katoumbi, le directoire là. Il y avait Jean-Pierre Mbemba. Mais tout le monde est parti, il restait que Mouzito, qui faisait quand même légitime, M. Martin Fayoulou, bien qu'il serait tard en dernier. Maintenant que Mouzito est parti, donc, et là, on a Borouane Koufi. Donc, on parle pas d'aller à la MUCA. Parce qu'est-ce que d'un vous côté, proposez pour le vrai, la MUCA, le second mandat en termes de. Les second mandats, je vais vous dire ici, parce que je suis toujours dans les. Chose que M. Sony a dit, je ne vais pas trop l'attaquer aujourd'hui, ou bien le revenir sur ce qu'il a dit. Il a dit que mais les autres disent que c'est une évolution brutale. Mais oui, mais quand les gens. Vous savez déjà que c'est une évolution brutale, parce que nous sommes dans quel pays? Quelles sont les réalités? Quelles sont les urgences? Parce que la RDC, toute la RDC, c'est un grand chantier. Vous commencez déjà à rétablir l'économie, mais quand vous ne savez pas que vous avez. Parce que le secteur du développement, c'est quoi? C'est d'abord les routes. Même les routes de dessert agricole, les voies voies ferrées, les télécommunications, c'est une voie aérienne. Mais quand vous arrivez déjà, vous commencez à mettre l'économie sans regarder d'abord que, avant que le Madès quitte, par exemple, le Goma pour arriver à Kinshasa, ça doit nous prendre un mois, alors qu'aujourd'hui, le chef de l'État venait de faire une proposition, une réalisation qui évite aux Congolais 350 km pour aller en Zambie, arriver jusqu'à. De l'autre côté de l'autre pays que j'ai oublié. Ils devaient contourner. Là, il y a un pont de 184 mètres qui venait de réaliser. Il y a une route de 350 km qui est en train d'être faite. Au lieu de faire 7 jours, ils vont faire une heure. Ça, c'est un manque à gagner. Voilà ce que je suis en train de vous répondre déjà à votre question. Mmh. Qu'est-ce qu'il a proposé? Il a proposé des infrastructures. Ça, c'est ce qui est le secteur du développement. Il est en train de ramener les Congolais au niveau où nous étions. Il y a déjà 7 avions qui ont été commandés. Il y a 2 qui sont arrivés. Parce que les gens disaient, ah, maintenant, nous aurons élection. Il n'y a pas des avions. Mais vous oubliez que nous avons des hélicoptères ici, militaires, qui ont été achetés, qui peuvent encore servir, qui ne décollent pas. Mais il y a encore 7 avions qui sont en train d'arriver. Ça, ce sont des choses que le chef de l'État va faire. Ça, c'est du concret. Qu'est-ce que le chef de l'État va encore faire? Le chef de l'État va encore aller avec la gratuité au niveau des humanités. Là, c'est le premier, une fois élu, une fois réélu, si vous voulez, il va amener la gratuité de l'enseignement au niveau des humanités. Mais est-ce qu'on a évalué ça va encore déjà, aller aux universités déjà au niveau de l'école primaire? Est-ce que c'est un pari gagné ou bien... Je vous dis que... Ça patauge un peu. À l'école primaire, il y a déjà 6 millions de jeunes qui ont récupéré, il y a eu leur entrée scolaire. C'est exorbitant, c'est énorme. Qu'est-ce qu'il va encore faire? Là, il y a la réalisation de ce que nous appelons la gratuité de la maternité, mais la couverture sanitaire qui est en train d'être... Vous avez entendu la France, non? La vieille démocratie. Ils se sont dit, bon voilà, nous voulons aussi mettre la gratuité la couverture sanitaire universelle pour tous. Okay. Mais moi, j'y ai travaillé. Parmi ces projets-là, nous y avons travaillé. Je suis l'un des élaborateurs de ce projet-là. Alors, quand la France essaie d'imiter la RDC, ça dit que nous avons quelque chose à donner. Donc, c'est-à-dire que non seulement la gratuité de maternité, la gratuité de la santé, chaque Congolais doit pouvoir, quand il est malade, aller se faire soigner. Quand nous parlons de gratuité de maternité, vous n'avez pas compris. C'est-à-dire qu'un mois ou bien 2 mois avant que la femme mette au monde, elle est suivie par le gynécologue. 2 mois après la naissance, elle est suivie. Quand le travail commence, la naissance, ça peut se compliquer, il peut y avoir des césariens, tout ça. Ça, c'est l'État qui prend ça en charge. Voilà ce que le chef de l'État est en train de proposer. Il dit encore que nous sommes en train de construire la RDC. Aujourd'hui, le chef de l'État sera à Lualaba, où il va faire la restitution des nouveaux bâtiments de l'Assemblée nationale, un grand bâtiment des audiences, des salles de fête. Il va faire la restitution de l'aéroport moderne, sophistiqué. Même Mayamaya, on ne parle pas de l'aéroport d'Indili, parlons de Mayamaya, ne peut pas se tenir debout, mais il va faire la restitution de toutes les routes.
qui ont été réalisées. Il va faire les réalisations d'un échangeur qui a été construit et des routes qui ont été élargies. Il va faire la restitution de l'autoroute qui sera construite, qui est en train d'être construite, entre Kolwezi, de l'autre côté, ça s'appelle Solwezi, de plus de 180 km. De l'autre côté, c'est 95 km. De l'autre côté, c'est à peu près 80 km. C'est ce qu'il va proposer. Je vous reviens. Et la liste est longue. Nous parlons toujours des candidatures. Vous avez lié avec moi ici la candidature de Mukwege. Eh bien, Mukwege a déposé sa candidature. Vous avez fait, vous, Martin Fayulu, vous plutôt, Adolphe Mouzito. Martin Fayulu le fera aujourd'hui. Il y a également les autres opposants qui l'ont fait. Je ne vais pas ici citer, mais sinon, Matata va déposer. Matata a déposé déjà. Hein? Matata. Et Moïse Katumbi, comme j'ai dit il y a peu, il faut que ces derniers puissent nous ramener ou encore ramener à la CENI les originaux. Fayulu s'est dit plutôt prêt à échanger avec tous les opposants pour accompagner sa candidature. Ici, nous parlons de la candidature commune dans le chef de l'opposition. Mukwege a dit par contre il peut négocier avec tous les politiques, sauf le régime actuel. Vous, qu'est-ce que vous envisagez? Certes, vous avez une offre politique, vous avez un projet qui semble être séduisant, en tout cas, en croire ce que vous dites. Mais est-ce que vous pensez également se mettre ensemble, parce que les alliances, c'est aussi important en politique, ou bien vous allez tenir au bord du cul d'aller en solo? Oh, merci beaucoup, M. Guélor. En fait, c'est comme on dit, l'union fait la force. Ouais. C'est-à-dire que nous étions parmi aussi ceux-là qui ont pensé à son temps déjà, qu'il fallait que nous puissions marcher ensemble. Marcher ensemble, c'est pour mutualiser les forces et gagner. Et lorsqu'on gagne ensemble, on gouverne aussi ensemble. Donc, ce n'est pas nouveau. Ce qui est étonnant, c'est que les gens amènent les idées, réclament l'union. Ils veulent que nous puissions nous rassembler. Mais ils ne donnent pas l'offre. Parce que ce qui va attirer les autres à venir vers vous, ce sont les idées que vous allez mettre à la place publique. Si vous demandez aux autres de venir, ils viennent où? Ils viennent pour adhérer à quoi? C'est mieux l'opposant Martin Fayulu qui pense que les gens doivent s'assembler autour de lui. Comme si c'est lui le chef du village, il n'y a pas de souci. Il peut se prévaloir de tout ce qu'il veut. Mais qu'il nous donne d'abord l'offre. Qu'est-ce qu'il donne sur la place publique dans un quinquennat qu'il est capable de faire? Et s'il donne ça, nous allons lire. Parce que nous avons présidé. Je pense que, à tout honneur, si c'est lui qui a commencé et auprès de qui on peut aller. Donc, jusque-là, Martin Fayulu et les autres, nous avons présenté notre offre politique. C'est qui, à eux maintenant, à nous lire, à analyser et à comprendre qu'il y a des choses intéressantes, soit moins intéressantes, et à proposer les leurs. Tant que l'offre politique de les idées n'est pas encore connue, je pense que ces politiciens qui allaient vite en besogne pour demander que les autres se joignent plutôt à Martin Fayulu, c'est un politicien qui faille encore une induction, une petite formation. Parce que la République, vers où nous allons, c'est la République de l'élite. Fini. Nous étions dans un premier temps borgne. En 2006, on a fait les élections. On est quand même passé de l'aveugle au borgne. Et après un moment donné, ça a sombré. Donc les trois exercices n'ont pas favorisé l'éclosion de l'élite politique. Alors nous allons vers la force de l'élite politique. C'est tous ceux-là qui sont rangés pour la bataille électorale. Je pense que nous sommes tous, nous concourons vers l'élite politique, les mieux offrants. C'est ce que vous avez dit en 2023. Nous allons vers celui qui donne le mieux. Parce que les exercices d'essai, nous les avons déjà passés, 2006, 2011, 2018, c'est suffisamment beaucoup. Et que maintenant, la population ne doit pas être distraite. Et à distance, elle doit plutôt se rapprocher. Se rapprocher, c'est dire que vous voulez le pouvoir et nous sommes le monopole, les détenteurs du pouvoir, nous allons vous le donner. Mais vous le prenez si vous nous donnez les idées claires que vous allez effectuer avec nous au profit de la population que nous sommes.
Mais sinon, ça sera tout simplement une politique d'aventurier qu'on ne veut plus continuer à accepter et à entendre. À longueur de journée, les gens passent sur des chaînes de télévision. Tel n'est pas fort, tel est fort et tout ça. Non, on est fort mais lorsqu'on présente des projets de société et des idées de votre offre politique. Nous, nous en avons déjà sorti ici 25. Je pense que nous, avec, selon les secrets que nous avons sur la table politique, je pense qu'avec l'excellence, on va aller jusqu'à 30. Et ces 30-là, ça sera la globalité. La globalité du souci des Congolais. Les gens m'ont dit, d'ailleurs, entendre dans la rue, je m'excuse. Ensuite, je voulais passer la parole au docteur. Oui, exactement. Ils m'ont posé la question, mais vous dites toujours de bonnes choses, mais Mouzito, ce n'est pas un nouveau en politique, il avait déjà travaillé. Je dis, mais attention, c'est ce que nous avons voulu même reprendre. Nous voulons passer des régimes. Un gouvernement, le pouvoir, se gère par régime politique. Attendu par régime politique, le régime dans lequel Mouzito a travaillé, c'était le régime semi-présidentiel. C'est-à-dire, il y a un président de la République qui a ses attributions, il ne règne pas seulement, mais il y a des attributions. C'est un mot d'ordre qu'un premier ministre doit exécuter. Parce que le premier ministre gère le projet de société du président de la République en France. C'est lui qui défend le bilan en définitive. C'est le Premier ministre au compte du Président de la République. C'est pourquoi nous avons déjà proposé, je pense, le quatrième, où nous avions dit non, nous voulons même initier la révision constitutionnelle sur les régimes politiques. Passer d'un régime politique semi-présidentiel au régime politique parlementaire pour qu'on ait plus de pouvoir au niveau du Premier ministre qui défende ce qu'il doit faire. Parce que là, on connaîtra que voilà, le Premier ministre a du travail de pain sur la planche. Au lieu de taquiner, aujourd'hui, quand nous défendons Mouzito, les gens ont toujours tendance à confondre que nous taquinons le chef de l'État. Nous, on ne taquine pas le chef de l'État. On attaque les attributions données qui ne sont pas exécutées et faites en bon escient. Donc aujourd'hui, nous devons nous révolutionner nos mentalités. Le Congo a tout entendu, injures, menaces et bagarres. Il n'a pas entendu que l'offre politique. D'accord. Le moment de nouvel élan. C'est ainsi que nous voulons que tous ceux-là qui veulent faire de la politique, qui se joignent à nous, ou soit qu'ils présentent en population, qu'on fasse une discussion. J'aimerais qu'à la longue, M. Guélor, qu'on prenne tous les grands politiciens qui défilent ici, comme on a dit les seuils, il y en a peut-être 12, 16 partis politiques qui l'ont eu, ces 16-là qui viennent sur le plateau, et vous aurez les débats pour que nous, chacun puisse dire au moins ce qui le retient, ce qui l'amène à concourir le pouvoir, ou sinon ça sera toujours... du rédit de ce que nous avons entendu. On a entendu ça hier, on entend ça encore aujourd'hui. On en a marre. Il faut changer, aller de l'avant. Il faut développer, il faut qu'il y ait changement de mentalité, des processus, d'organisation, un nouveau cycle de leadership. D'accord. Voilà, merci. Docteur Kankonda, nous parlons des candidatures. Hein. Il y a également celle du docteur Denis Mukwege qui dit clairement qu'il peut se mettre ensemble avec tous les politiques, sauf le régime actuel, d'après lui, c'est un échec total. Il faut changer non pas le régime, mais aussi les choses pour que l'économie puisse aller de l'avant. Pour le cas à Katumbi, d'aucuns pensent qu'il y aurait une mais, bon, pas une noire, en tout cas, je n'ai pas utilisé cette expression, mais pourquoi seulement rejeter son dossier déjà pour qu'il soit conforme? La CENI exige les originaux. Est-ce que Katumbi ne savait pas qu'il fallait amener les originaux? N'est-ce pas? Il y a déjà... les indices ou encore les signes qui pouvaient nous faire croire que la candidature de Moïse Katumbi risquerait. Merci pour la question. Je pense que Sony m'a donné encore la matière pour me dire que Adolphe Mouzito, quand il dirigeait la République, il exécutait les plans de M. Kabila. Quand il y a eu tuerie, quand il y a eu infiltration, quand il y a eu gabegie financière, quand il y a eu torture, arrestations arbitraires, bon, ça c'était... Je ne vais pas aller par là, je vous en ai parlé. Vous m'avez donné la matière. Parce que c'était son plan qu'il était en train d'exécuter. Je vous aime bien. J'ai revu par Martin Fayulu, l'un des candidats, où M. Franck Diongo est en train de faire ses analyses. Ah, j'aurais oublié la candidature. Après sa candidature, il a fait la conférence de presse où il dit, demande au chef de l'État, qu'il demande à l'autorité de prendre Martin Fayulu, l'amener dans un hôpital parce qu'il pense que le monsieur est malade. Dixit Franck Diongo, ça ne se fait pas de mal.
Si vous voulez attaquer, attaquez Frank Diom, l'un de vos amis. Revenons par M. Moïse Katumbi, les sulfureux. La loi est dure, mais reste la loi. Dure Alex, cette laisse. Les propositions pour le dépôt de candidature de président de la République, c'est différent des de conditions des députés nationaux ou bien provinciales. Ce sont des choses différentes. Un candidat président de la République doit avoir au moins un diplôme d'études supérieures pour nous éviter. J'ai fait les meetings dans un grand géant pour nous éviter ça. Deuxième moment, on demande des pièces originales. Tout le monde le sait. Comment M. Katumbi, qui est conduit par ses amis comme Maître Onyema, tu ne veux pas parler de lui, qui est dans toutes les sauces, dans tous les mauvais coups, il est là, mais qui ne sait pas lui dire, ni Francis Kalomo, ni l'autre là, pour lui dire non, pour déposer les candidatures, vous devez avoir les documents officiels. La loi électorale le stipule bien. J'ai un article, je vais vous le lire après, de la loi électorale. Comment expliquer que le monsieur, il amène les gens pour déposer sa candidature avec des photocopies? Je suis content quand Sonny Ilunga utilise son téléphone pour de bonnes choses. Ils vont nous citer la loi avant que j'arrive. Donc ce monsieur, il est dans ses archives en train de chercher les originaux en ce moment. Mais pourquoi Frank Diom Ngoy est passé par là? On ne lui a pas dit qu'il doit amener les originaux, parce qu'il sait qu'il devait amener les originaux. Pourquoi les grands Foumou peuvent passer par là? On ne lui a pas dit qu'il doit amener les originaux, parce qu'il sait que je dois amener les originaux. Pourquoi Rex Kazad est passé par là? Pourquoi ceux qui sont passés, monsieur dont vous venez de parler, Mukwege, est passé par là? Lui ne s'est pas victimisé. Les prix Nobel de la paix. L'ex-prix Nobel. La fierté de notre nation. L'ex-prix Nobel de la paix. Après, je reviens à ce monsieur. C'est impérissable, ce que je sache. J'ai dit, je reviens à ce monsieur. Oui. Il y a le nouveau prix Nobel. Donc, Miloko Akaleti, elle est assise là. Mais le prix Nobel de la paix, pourquoi? Pourquoi il n'était pas prix Nobel de la médecine? Parce que c'est un docteur en médecine. Vous ne comprenez pas que quand je regarde le président Arafat, Yasser Arafat. On chute en même temps, votre dernière prise de parole. Très bien. De ce côté, oui. Je regarde le président Arafat, qui est le prix Nobel de la paix, avec Bill Clinton, avec Yitzhak Rabin. Ça, ce sont des politiciens. Mais quelqu'un qui n'était pas politique, qui n'a fait que son travail, on ne lui donne pas le prix Nobel, par exemple, du journalisme, si ça existe, mais on lui donne le prix Nobel de la paix pour faire quoi? C'est un candidat pro-occidental. Écoutez ce que ce monsieur déclare avant le dépôt de sa candidature. Permettez-moi, donnez-moi le temps. Le peuple congolais, la République est en demeure, est en péril. La République est en péril. Donnez-moi le gros plan, s'il vous plaît. Écoutez ce que le monsieur dit dans son agenda satanique. Je parle bien d'un agenda satanique là, que parlez, M. Mukwege nous parle. Je parle du docteur Mukwege. J'y reviens. Écoutez ce qu'il dit. Ce monsieur vient introduire au Congo le... ce que nous appelons les LGD. Je vais développer LGD, cela veut dire quoi? Il dit ceci, je dis rapidement. Il dit que nous devons renforcer la cohésion nationale. Il faudrait créer les conditions d'une société inclusive. Je viens parler de société inclusive. Cela veut dire quoi? Il faudrait créer les conditions d'une société inclusive. Nous devons introduire la notion du genre. Je ne sais pas si les gens ont compris. La notion du genre, j'y reviens, vous permettrez que j'explique ça même à Lingala. Rapidement, vous permettez. Pas de problème, pas de problème. Connu sous les LGBT. LGBT a été créé depuis 1990. Cela veut dire le lesbianisme, le bisexualisme. Vous parlez de l'homosexualité. Et le bisexualisme, l'homosexualité. Nous devons avoir une différence, donc arrêter nos valeurs. Il faut tout créer dans Boka Oyo. Moi, je suis dans moi, je suis balani. Pour que nous sommes dans le monde. Moi, je suis dans moi, je suis balani. Mobali, non, mobali, balani.
Donc, Moutoko Kende a changé ses sexes. A commis Robala. Donc, moi, si Abali, moi, si Wabotibana, répétez ce que ça existe. Adopté. Mobali, non, moi, Mobali. Donc, c'est ça qui dit, nous devons faire une transition. Donc, alors que nous sommes des Africains, c'est ce qu'il est en train de demander. Parce que quand il sera élu, il faudrait que dans l'Assemblée nationale, nous devons voter que Papa Chabani n'a pas pas un Baba Balani. Donc, il n'y a pas Maman, moi, c'est quand n'a maman tout Baba Balani. Baba Tibana. Permettez. Nous devons voir la rupture ensuite, avec oui. nos valeurs. Nous, nous sommes les Bantous. Mukwege, à ma connaissance, il n'est pas Bantou. Mais nous sommes ici, nous avons ici chez nous. Pourquoi il n'est pas Bantou? Il n'est pas Bantou. Vous insinuez quoi? Il est Bantou, il est Congolais de souche. Non. Il est nélotique, ça il faut le dire. Mais nous, à Congo, nous avons le Bantou, nous avons les Pygmées, nous avons le semi-Bantou, nous avons les Soudanais, mais une partie de nélotique. Comment expliquer que le monsieur Mukwege nous propose à ce que nous puissions avoir la rupture avec nos lois, avec notre façon de vivre, la rupture avec nos valeurs, la rupture avec nos cultures. Merci, docteur. Quelles sont les cultures bantoues? Quelles sont les cultures africaines? Donc, nous, on doit éviter, parce qu'il est envoyé, je suis très fâché, il est envoyé par l'Occident de venir ici implanter. Donc, c'est une façon pour nous, Tobandomona Kelobi, papa, maman, papa, na papa, wana, babalani. On doit introduire même dans nos écoles. Vous avez dit c'est ce que propose le docteur Mukwege. Mais c'est ça ce qu'il a proposé. Merci, docteur Kankonda. Excusez-moi, j'ai terminé par là. Nous, on ne peut pas éviter nos ruptures, donc faire la rupture avec notre religion, avec notre culture, avec notre façon, nos mœurs, nos traditions. On ne peut pas faire la rupture avec ça parce que M. Mukwege a ligné à côté ça l'élection de LGBT, donc l'homosexualité, la pédophilie, la bisexualité, avec tout ça, pour que nos mœurs, ce que nous caractérise, je sais que nous sommes devant tout. Ceux qui n'ont pas de midi, n'ont pas de midi, moi, ça, c'est un peu comme ça. Et ça, c'est un peu comme ça. Ça, nous ne voulons pas. Merci, docteur Kankonda. Monsieur Sodi Lunga, c'est vrai, vous nous avez bouclé. En guise de conclusion, vous avez quelques minutes et vous avez la parole. C'est vrai que vous J'aime toujours la façon de parler de docteur. Il parle toujours avec conviction. Il nous a lancé quelque chose, mais moi aussi, je n'ai pas encore mis mon œil sur ce que. Le docteur Mukwege a sorti comme projet. Je pense qu'ici, ça n'est le cas. Il a déjà échoué. Donc, c'est un candidat échouant. Oui, merci beaucoup, docteur. Je pense que je vais encore partager des coordonnées avec vous pour lire davantage. Nous allons bien si nous nous accordons à tous travailler. Ça fera très mal si les autres qui se mettent au travail et les autres se mettent à danser. Le temps de la récréation est déjà révolu. Allons dans le sens du travail. Le travail normatif. Le travail observable. Nous avons beaucoup promis, mais nous avons réalisé peu. Pourtant qu'il y a toutes les ressources au Congo qui ne permettront pas que les gens vivent des promesses, mais vivent au quotidien de réalisation. Donc, aux uns des autres. Le pari est donné, donc le match est ouvert. Ceux là qui ont des petits problèmes, on souhaite qu'ils puissent s'amender. Moi, j'ai entendu le communicateur de l'ensemble qui a dit qu'ils vont rentrer vite pour prendre les originaux. Mm-hmm. Que ce soit ainsi qu'ils amènent. Comme ça, la candidature aussi de Katumbi est en liste. Que tous nous puissions compétir. Mais la question que je pose, est-ce que en fait, ils ne savaient pas qu'il fallait amener les originaux? C'est ce qui inquiète maintenant tout le monde. Comment vous allez en guerre, vous laissez les armes à la maison? On va vous tuer sur place, même vous. Comment est-ce que ça peut se faire? Vous avez une arme et les munitions, vous les laissez à la maison. Pendant que vous allez vers où? Vers les lions. Je pense que vous n'allez pas. Ça, c'est déjà quelque chose qui frise et que ça ne passe pas du temps. Nous voulons vraiment que nous puissions en savoir beaucoup plus. Pourquoi des sessions, des rattrapages pour Moïse Katumbi? On chute! Oui, alors, donc, nous sommes là. Nous avons accompagné, mais les élections elles-mêmes nous inquiètent déjà. Parce que nous partons dans des conditions où l'offre de marché n'est pas
donnée n'est pas connue. Si on doit faire le marché de gré à gré, c'est prohibé par la loi congolaise. Nous devons passer les marchés, nous devons acquérir les matériels, nous devons les déployer les effectifs et tout ça. Donc, le 23, c'est le 20, c'est dans 2 mois. Et comment ça va se faire? Identifier si ça déclasse comme bureau de classe. Vous connaissez les élections au Congo telles que se placent. Nous les passons dans les salles des classes de fortune. Ils ne peuvent pas. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 73 000 bureaux de vote sur l'ensemble du pays. Nous avons autant de votants, parce que plus de 25 000 électeurs par bureau, et plutôt 600 électeurs par bureau de vote. Donc, nous avons une promiscuité électorale. Nous ne savons même pas comment ça va se passer. Parce qu'aujourd'hui, dans une salle de classe où nous devons avoir des observateurs, des témoins, des votants, ce sont des salles de classe comme on l'a toujours fait, donc on n'a pas amélioré. Nous allons dans les élections dans les mêmes conditions de 2018, dans les mêmes conditions de 2011. On pensait qu'avec les élections de 2020, quelque chose pourrait s'améliorer. Mais nous allons toujours, même les effectifs. Même condition, hein. Mais aujourd'hui, il y a plus de 25, de combien? De 43 000 électeurs. Électeurs que c'est plus qu'avant, en fait. Ah bah plus que 2018. Pour 73 000 bureaux de vote. Imaginez-vous. Non, c'est grave. Donne-moi 30 secondes. 30 secondes. Donc, il fallait améliorer certaines choses. Mais malheureusement, on va y aller tel que nous y allons. Prions Dieu à nous garder. Prions Dieu à nous gérer. Réappeler Monsieur Kili Malimba par rapport à la sécurité, à Kingasani, à Kingasani, sur Kulumba, à venir m'abéler, où est un soldat. Monsieur Kili Malimba, il y a un soldat qui sème la désolation. Merci s'il vous plaît, nous vous faisons encore confiance. Envoyez les éléments là-bas. Mais la nerf, faites quand même quelque chose. Comment des choses comme ça peuvent se passer? Vous ne dites rien à l'autorité. Merci pour cette situation, merci pour ce rappel. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Soudi Lumba. Je rappelle que vous êtes nouvel élan. Vous êtes l'un d'Adolphe Mouzito. Merci, docteur Kankona, d'être venu. Merci. La rediffusion, c'est à 18h. Demain, on va se retrouver à la même heure, avec le même plaisir, pour un nouveau numéro. Je vous rappelle qu'il y a 13h, Martin Fenn va déposer sa candidature. Demain, on va vous retrouver. Et bien, nous allons évoquer d'autres questions d'actualité. Merci à Pamphile Makanda, merci à Brandon Milalou, merci à Bomolo, merci à Pichu Kukula, merci également à Mbel. On se retrouve demain à mes invités encore. Merci pour l'invité. Merci. Merci, Mbel.